Comment vous expliquez cet engouement des Français pour vous et depuis toujours ? Il y a un phénomène Jean-Jacques Goldman, déjà en partant. Je me suis permise, dans un moment très difficile de ma vie, de faire un appel au secours, finalement, à Jean-Jacques. Je m'apprêtais à préparer. René voulait que je sois ici, faire une tournée au Québec, faire quelques spectacles ici en France, recommencer mes spectacles à Las Vegas, faire un album en français, faire un album en anglais. Enfin, tout ça pour vous dire que... Il avait quand même préparé la suite qui est maintenant. Et je me suis dit, je sais que Jean-Jacques va me dire, je ne peux pas t'écrire d'autres titres, j'ai tout écrit pour toi. On a parlé du beau temps, du ciel, des étoiles, des enfants. La vie, quoi. Il a raison. Et c'est vrai. Mais je lui ai donné tort sur un truc. J'ai dit, Jean-Jacques, je suis à Boston avec mon mari qui vit des moments très difficiles. Et ce sera un nouveau départ pour lui. Et ce sera une nouvelle vie pour nous. Alors, j'ose te demander de prendre en considération d'écrire un titre pour nous, pour lui, pour moi, pour m'aider, pour nous aider à traverser le pont. C'est des moments... qui ne s'explique pas, c'est des moments qui se vivent. Et tu m'as toujours écrit des chansons extraordinaires, mais celle-ci, elle doit être importante. C'est la chanson la plus importante. S'il n'y en a qu'une, ce sera celle-là. Et j'ai beaucoup, beaucoup pleuré au téléphone. J'ai dit, je ne peux pas croire, je ne voulais pas pleurer, je suis désolée, je ne voulais pas pleurer. Il me dit, non, écoute. Et puis, il a accepté. Et pour moi, cette chanson, c'est l'encre. C'est l'encre qui me tient bien, je veux pas dire bien ancrée, mais bien solide, quoi. Pour continuer aussi. C'est ma façon à moi de m'exprimer, la chanson, c'est ma façon de m'exprimer. Et de donner aux autres, de partager. Et de vivre mes émotions. Et je suis plus que ravie que les gens embarquent dans cette émotion. Et de ramer avec moi dans des moments faciles, de joie et de peine. Et c'est la vie qui continue. Ça va bien. Mes enfants sont ici. On est très, très contents d'être là. Je vais faire 2 concerts en Anvers. J'ai 9 spectacles à Paris. Ensuite, j'ai des spectacles chez nous, au Québec. Donc, j'ai déjà recommencé. Même avant le départ de René, je suis remontée sur scène parce que c'est ce qu'il voulait. Alors honnêtement, en tant qu'artiste, en tant que femme, en tant que mère... je suis très fière parce que je sais qu'il est content. René est très content.